Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Achat de Gèche. Donc l'épisode numéro... Je sais jamais, ça m'énerve, putain. Miniature en vrac, l'épisode numéro 59, je savais, j'en doute. Non, je rigole, j'en savais rien. Donc aujourd'hui, quelques achats, mais je tenais d'abord à vous passer deux messages. Donc le premier sera, Colin reconnaîtra. Alors avec Colin, enfin dit Joke, si vous préférez. On s'est lancé un défi de faire du 75-0 contre des bots sur Black Ops 2. Je l'ai fait, je pense, bon ça dure pas longtemps, je vous posterai peut-être sur YouTube le commenter par-dessus un petit peu. Et sa réponse bien évidemment, parce que j'essaierai de le contacter pour qu'il mette justement partie avec, que je puisse record son gameplay afin d'avoir les deux versions. Donc je vous préciserai le pseudo, le jeu, la map et l'arme éventuellement et les difficultés des bots. C'est pas le problème. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous y participer, bien évidemment. Et là, ça va poser un problème que les joueurs PS3 pourront, étant donné que Xbox, je peux pas. J'ai pas le jeu et je paye pas l'abonnement pour pouvoir y jouer, donc je pourrais pas les recorder au gameplay. Mais si jamais ça vous intéresse de participer à ça et de faire les bots, bon, pour l'instant, c'est du mode recrue 75-0, sans killstreak, sans grenade, juste avec son arme. Si jamais ça vous intéresse, vous mettez votre PSN dans la description. Évidemment, sur votre chaîne joueur, vous mettrez le gameplay, vous mettrez bien 75-0. Et si jamais je trouve qu'il va bien ou que ça respecte bien les règles, je l'enregistrerai et je posterai sur ma chaîne. Ensuite, le deuxième message, c'est à propos de la partie 3 de Dark Souls 2, qui sortira normalement après-demain. Donc le 30, normalement. Si tout va bien, le 30, elle sortira. Je voulais vous poster pour aujourd'hui, mais j'ai eu un problème avec l'upload, donc du coup, je vous la posterai le 30, bien évidemment. Donc voilà, les deux messages importants, c'était ça. Donc, on est parti tout de suite pour les achats. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? 5 achats, hein, 3 jeux et 2 accessoires. Donc déjà, le premier, j'ai pas la 3DS, mais j'ai trouvé ça. Une sacoche 3DS Mario. Donc, j'ai regardé sur Internet, ça vaut à peu près 15€ et je l'ai trouvé pour 1€. L'état est nickel. Voilà, il n'y a rien à redire là-dessus. Elle est propre. Donc voilà, ça fait plaisir. 1€. Puisqu'est bien, voilà, c'est l'effort de rangement, les stylés, là, la console. Voilà. Donc 1€, ça, j'ai trouvé ça dans un bac à 1€, donc je me suis dit, on va le prendre. C'est ce que j'ai fait. Alors ça, c'est encore emballé. Non, c'est pas la DS qu'il y a dedans, c'est la protection qu'il y a autour, parce que si vous voulez, mon écran ne tenait pas tout seul, et ça permet justement de le tenir un petit peu mieux, vous voyez, il tient, là, il tient. Je vous fais des mauvais plans. Il tient, et je l'ai trouvé neuf, emballé. Il était à 2€ au début, mais j'ai enlevé le truc, et j'ai dit, ah, j'ai trouvé dans le bac à 1€, donc 1€, la protection pour la DS. Ça fait juif un peu ce que je suis en train de vous dire, mais... Ensuite, dans les jeux, j'ai retrouvé ça, c'est deux achats avec grenier. Ratchet Gladiator, donc dans un état irréprochable, neuf. Enfin, neuf, non. Enfin, la boîte est un petit peu abîmée là, mais là, voilà, complet. 2€. Après, nous passons à mon jeu de bagnole préféré, enfin, mon jeu de course préféré, Burnout 3 Takedown, sur PS2. Je l'avais sur Xbox, mais je l'ai trouvé sur PS2, vu que... Comme ça permettra de tout recommencer. Et j'ai une petite préférence peut-être pour le pad de PS2 que Xbox première du coup. Voilà. Encore une fois, attendez, c'est quoi ça? Je vais le mettre dans le bon sens. Complet. 2€ aussi au vidéonnier. Et après, dernier achat, je l'ai fait plus récemment. Bon là, vous allez dire, putain, mais... Ça t'en fera 3 exemplaires. À quoi ça te sert? C'est juste que j'ai dit, quand j'en trouverai un, je l'achèterai au cas où que un des 3 ne marche pas, on sait jamais. Et puis c'est mon jeu préféré, donc je l'ai repris. Rock Galaxy pour 1€, encore une fois, mais encore complet, donc ça fait plaisir. Je l'ai trouvé ce matin, je me suis dit putain, depuis que j'ai acheté le premier, il y en a plein qui arrivent et tout. Je pense franchement que 3 ça ira, j'en achèterai plus. Sauf si vraiment il est à 5€, mais voilà. Là je me suis dit bon, je vais m'arrêter un petit peu avec les Rock Galaxy et les Phantasy Star Universe, je commence à en avoir. Donc voilà, je l'ai pris, donc le prix 19,99€. Vous l'aurez comme d'habitude en dessous. J'aime bien faire ces petits trucs de montage, ça rentre plus sympa avec une petite musique de fond qui sera souvent la même, je pense. Voilà. Donc, c'est tout pour les achats d'aujourd'hui. Pas grand chose non plus. 3 jeux PS2, une sacoche DS et un étui de protection pour la DS, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que cet achat de gage vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Encore une fois, pour le défi bot, n'hésitez surtout pas. Déjà, vous pourrez passer sur ma chaîne. Bon, je sais pas, c'est pas un très grand honneur, mais bon, ça fait plaisir de voir des gens qui participeraient. Donc voilà. Peut-être que je détaillerai plus comment faire ça, dans quelles conditions et tout, sur la vidéo justement question, elle dure 5 minutes. Je pense que vous la postez pour demain et tard sous après.
Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez tout dans la description ou en dessous au moment approprié. Donc moi je vous dis bye et à la prochaine. Salut tout le monde.